En manchette, aujourd'hui, visite de Denis Trudel, le député de Longueuil-Saint-Hubert, dans la région. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 13 avril. Le député de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes, Yves Perron, était présent au cours des deux derniers jours avec ses collègues Lanaudois et Mauricien, donc le député de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, et René Villemur, député de Trois-Rivières, afin d'accueillir Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert. Ce dernier est actuellement en tournée à travers le Québec depuis le mois de janvier afin de consulter les organismes, les municipalités et autres acteurs des différentes localités sur les enjeux de pauvreté, de l'itinérance et du logement. Mardi dernier, la première rencontre a eu lieu à Trois-Rivières. Une deuxième rencontre a eu lieu mercredi après-midi à Joliette. Berthier-Masquinongé étant une circonscription limitrophe, il était important pour Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, de se coordonner avec ses collègues pour couvrir le plus de terrain possible. Les organismes desservant la population ne se limitant pas aux délimitations fédérales. On cite maintenant M. Perron au Bloc québécois, le terrain, c'est notre ADN. C'est en sondant le terrain que l'on se nourrit de propositions à faire au gouvernement, a expliqué Yves Perron. Il ajoute, les intervenants sont enracinés dans le milieu et connaissent les besoins des gens à qui ils viennent aider, qui viennent en aide, à tous les jours. C'est vraiment important de prendre le temps de s'asseoir avec eux et de noter leurs revendications pour ensuite aller porter leur voix au Parlement. C'est ça le travail d'une opposition intelligente. On retient de ces rencontres que les budgets pour le logement social doivent vraiment être augmentés par le gouvernement fédéral, s'apprête de conclure le député de Berthier-Masquinongé, M. Perron. Au terme de cette tournée du Québec, ce portrait de situation servira à alimenter les interventions du député Denis Trudel à Ottawa afin d'augmenter et d'influencer les objectifs et les budgets accordés, notamment à la stratégie nationale sur le logement, dont les résultats démontrent clairement qu'elle ne répond pas aux besoins de la population et du programme, souligne le député. Vers un séchoir, qui doit être bonifié et amélioré pour son renouvellement en 2024. On passe maintenant à de l'information concernant le Centre d'action bénévole d'Autrey. Le CABA vous invite à deux sorties culturelles. Donc, prenez note. Tout d'abord, le CABA organise une sortie pour aller assister à l'événement La Corriveau, vendredi le 7 juillet prochain au Centre culturel Desjardins. Départ du CABA en autobus scolaire à 16h45, souper à l'âtre bistrot de Joliette, c'est aux frais des participants. Retour au CABA à 22h30, il faut s'inscrire avant mercredi le 31 mai. Le coût 65 $ par personne, il faut au moins 25 personnes pour réaliser cette sortie pour aller assister à La Corriveau, La Soif des Corbeaux, un spectacle, évidemment, un spectacle théâtral, là, mettant en vedette plusieurs personnalités, dont des vedettes du petit écran. Il y aura aussi un autre spectacle présenté, cette fois à l'amphithéâtre Cogeco, c'est à Trois-Rivières, c'est le Bodyguard. Ça se déroulera le 8 septembre prochain à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Départ en bus scolaire du CABA à 15h30 le vendredi 8 septembre. Il y aura une halte à Saint-Barthélemy. Un peu plus tard, on ajoutera des participants. Un souper aux saveurs des continents à Trois-Rivières, c'est aux frais des participants. Le retour est prévu pour 22h30. Encore là, il faut s'inscrire.
si vous désirez assister à cette représentation, ce spectacle, le Bodyguard, avant mercredi, le 31 mai. Le coût est de 100 $ par personne. Il faut au moins 35 personnes pour réaliser ce voyage culturel. Pour information ou pour s'inscrire, 450-836-7122. 450-836-7122. Si vous êtes de la Valtrie, 450-875-0921. 450-875-0921. Deux activités proposées par le CABA. Vous voulez voir ou revoir, si vous y avez assisté, la soirée d'information touchant la mise aux normes de l'aréna de Berthierville. Ça s'est passé cette semaine à l'auditorium de la polyvalente Pierre de l'Estage. On a eu droit, les gens présents, à beaucoup d'informations sur le projet visant à restaurer et même agrandir l'aréna de Berthierville, un projet de 12 millions de dollars. Donc, vous pouvez visionner notre captation sur nos ondes tous les jours jusqu'à la date de la tenue du registre pour le règlement d'emprunt, soit le 18 avril. Ça s'est diffusé tous les jours sur les ondes de CTRB à 14 heures. Vous pouvez aussi le visionner sur le site YouTube de CTRB, CTRB-TV, et ce, au moment où vous le désirez, donc à toute heure. Donc, pour un complément d'information, si vous n'avez entendu parler et vous en désirez en savoir davantage, vous avez la présentation complète sur nos ondes. On parle maintenant de Pierre Guittard. Ce dernier sera de passage à La Valtrie le 14 avril prochain. Il sera en spectacle à ce moment au Café culturel de la Chasse-Galerie. Musicalement, Pierre Guittard combine électropop et simplicité, explorant les synthétiseurs tout en laissant une place importante au message et à la voix qui le porte avec une interprétation juste, naturelle et touchante. Le tissage sonore d'Andéo Denis raconte à sa façon des histoires pour l'oreille, alors que de fil en aiguille, la tristesse côtoie l'espoir dans une éternelle quête du bonheur, ainsi mise en chanson. On écoute la première partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. On est avec Pierre Guittard. Bonjour Pierre, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Tu vas être en spectacle à la Chasse-Galerie à La Valtrie au mois d'avril, mais aujourd'hui, le but de l'entrevue, c'est qu'on te connaisse un petit peu, qu'on sache d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Tu fais de la musique, oui, là, mais ouais. C'est quoi qui t'a amené à ça? Donc, la première question, c'est qui Pierre Guittard, d'où il vient et qu'est-ce qui fait que tu fais de la musique? Je suis un auteur, compositeur, interprète. Je viens de l'Acadie. Ça fait 6 ans que j'habite à Montréal pour poursuivre ma carrière en musique. Puis à part ça, c'est ça. Je suis un petit gars d'une petite place qui essaye de make it big en ville. C'est ça. Le choc de partir de l'Acadie puis d'arriver à Montréal, t'as trouvé ça difficile ou c'était le contraire? C'était vraiment un but, un objectif à atteindre, puis tu te dis, moi, je m'en viens ici pour justement être capable de me faire connaître, de performer. Hein? Ça faisait des années que je voulais déménager à Montréal, puis ça me stressait parce que c'était loin, puis c'était gros, puis quand je suis arrivé, ça faisait tellement longtemps que j'y pensais que c'était comme, OK, c'est le temps que je le fasse, là, il faut que ça se passe, puis une fois arrivé ici, tu réalises que Montréal, c'est gros, mais c'est divisé en plein de petites places. Oui. Fait que tu finis par te retrouver, tu sais, je vais au même dépanneur à tous les jours, je connais la caissière, puis je vais dans les mêmes Tim Hortons à tous les matins, puis je connais le gars qui me sert, puis ça finit par ressembler à chez vous, tu sais, tu vas à la même épicerie, au même dépanneur, puis au même resto, c'est pas si dépaysant que ça une fois que tu te retrouves, puis... Tu me disais que tu avais été élevé, tu avais connu beaucoup la mer, le fleuve, ici tu as le fleuve, pour toi c'est important aussi? Tu y vas souvent, tu vas voir l'eau, c'est quelque chose qui t'aide aussi? Moi j'habite proche du fleuve dans l'est de Montréal. Fait que
Oui, c'est cool l'été d'aller lancer des petites roches dans l'eau puis d'avoir accès à ça plutôt que d'être pogné entouré de blocs de ciment, là, parce que tu sais, moi j'ai grandi autant dans le bois que sur le bord de la mer. J'habitais dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Fait que oui, ça me fait du bien de regarder puis de voir plus loin que l'autre bord du chemin, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui vient teinter ma créativité depuis que je suis à Montréal. OK, c'est pas quelque chose qui est important. Mais quand on regarde tes vidéos sur YouTube, on voit beaucoup de, encore là, de mer, de d'eau et tout ça. Ça a un impact quand même sur toi. Ça te représente un peu aussi, là. Ben, j'imagine que ça fait partie des mille et une choses inconscientes qu'on finit par absorber en vieillissant, que malgré ce qu'on se dit, on cherche d'une façon ou d'une autre de retourner à la maison. Oui, c'est ça. Justement, ton style de musique, on pourrait dire électro, je ne sais pas si je peux parler un petit peu de ça. Bien Dans, sûr, beaucoup, bien beaucoup sûr. d'instruments électro. Et c'est venu comment? C'est vraiment le genre de musique? Tu as des mentors, tu as des gens que tu regardes aller dans ce style de musique-là, puis que tu t'inspires ou t'apprécies? Ben, moi, j'étais un guitariste à la base, fait que faire de la musique électro, c'était pas nécessairement de nature, je te dirais, mais là, j'suis un gars qui tripe sur les sons, puis quand tu tombes dans les instruments électroniques, ben, des sons, il y en a à l'infini. Fait que sur le dernier album, ben, ça a été Jesse McCormack qui a réalisé mes deux derniers albums, en fait. Puis Jesse, c'est une machine avec ces affaires-là. Puis comme on était en contexte pandémique aussi, on a fait une bien grosse partie de l'album dans son salon, juste moi puis lui. Fait que là, d'aller chercher de la largeur, puis Oui. quelque chose qui fait big, tu sais, avec peu, Oui. ben on est tombé dans ces sonorités-là. Puis je pense que lui, dans sa carrière, s'en allait vers là. Fait que c'était un trip qui était dedans aussi. Fait qu'on est tombé dans ce trip-là ensemble, je te dirais. Puis ça a donné l'album que ça a donné. Puis je suis vraiment content d'où c'est allé, mais je vais sûrement pour le prochain album explorer d'autres avenues puis d'autres OK. affaires. Puis OK. à chaque fois, faire un album, c'est se payer un trip, hein, ça fait Oui. Je comprends, il faut se renouveler à chaque fois, faut faire, faut garder des horizons différents. Donc, c'est un album créé, pensé en pandémie, en pensant à la pandémie, ou c'était une façon d'avoir une évasion, puis dire, regarde, je produis, je sors, puis regarde, ça donnera, qu'est-ce que ça donnera, ou ça t'a créé quelque chose de plus intime, justement, en étant deux, et de faire ça de cette façon-là. Je pense que tout a joué là-dedans. C'est sûr que l'état dans lequel j'étais était un résultat direct de ne pas être capable de pratiquer mon métier pendant 2 ans, de ne pas voir du monde, de se sentir en isolation. Puis à un moment donné, j'avais bien de la misère à écrire parce que je ne voulais pas nécessairement faire un album sur la pandémie parce que je me disais, c'est ça qu'on va tout faire parce qu'à un moment donné, il va y avoir 250 albums de pandémie qui vont sortir en même temps. Fait que je ne voulais pas faire ça. Fait que j'ai parlé de choses personnelles que moi je vivais, donc ce n'est pas un album qui parle de la pandémie, sauf qu'on a tous vécu similairement la même chose. Fait que j'ai l'impression que c'est un album qui peut facilement rejoindre la population complète, dépendamment de comment toi tu as vécu ta pandémie, mais je suis définitivement pas le seul qui a vécu ce qu'il a Moi, vécu. c'est ça, on comprend. Donc, si on résume un petit peu à quoi s'attendre au mois d'avril justement, à la Chasse-Galerie, à l'église de la Beltrie, tu vas être seul sur scène ou tu vas avoir justement d'autres musiciens ou comment ça va être présenté? C'est quoi la présentation? C'est quoi tu nous offres comme Ben, spectacle? la formule, c'est on est 5 sur 5. Puis on donne un show qui, autant que ça peut être des moments touchants où je suis tout seul avec mon pianiste sur scène, autant il y a des moments où le band rentre, puis on arrache tout, là. On arrache les rideaux sur les murs, puis on décoiffe le monde, là. Fait que OK. Non, non, il y c'est en a bien. pour tout le Donc, monde. autrement dit, c'est festif. Tu veux justement, on arrive au printemps, on sort de l'hiver, un hiver qui était long encore aujourd'hui. Puis, on va essayer de mettre la gaieté, mettre un peu de vie là, dans l'église, là, parce qu'on sait que la chasse-galerie, c'est dans une église, là, mais c'est très intéressant comme endroit. La suite de cette entrevue sous peu sur nos ondes. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo ACTRP.
un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cubert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. En ce 13 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Hélène G. Lavallée. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 13 avril. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Les gens de toutes les régions du Québec sont invités à contacter la clinique juridique téléphonique. C'est le 22 et 23 avril prochain. Pourquoi, si on a des questions à poser d'ordre juridique, cette clinique juridique téléphonique est là pour vous. Organisée par le Jeune Barreau de Montréal, cette activité est gratuite et se veut une source d'informations juridiques offerte à toute la population. CTRB a rencontré Alexandra Paquette, présidente du Jeune Barreau du Québec. Elle nous parle de cet événement. Je suis en compagnie d'Alexandra Paquette, qui est la présidente de JBM. Qu'est-ce que c'est JBM? C'est les Jeunes Barreaux de Montréal, c'est bien ça? Effectivement. Donc, on représente les avocats de 10 ans et moins de pratique de la section de Montréal. On parle d'à peu près 6 000 membres. 6 000 membres. Cette association est venue, ça fait longtemps, tu me disais tantôt en pré-entrevue, on parle de presque 200 ans d'histoire. Donc, c'était... Même au tout début, je m'en allais dire presque de la colonie, de cette façon de parler, de l'importance de se regrouper en tant que jeune versus les vieux. Là, je fais un petit peu le parallèle avec ça, mais c'est important de s'associer avec des jeunes qui vivent les mêmes problématiques au niveau de la pratique et tout. Bien oui, c'est ça. C'est sûr que bon, on fait tous membres du barreau du Québec et pour ma part, barreau de Montréal, de la section de Montréal. Mais comme vous l'avez dit, les réalités des jeunes avocats sont différentes des avocats plus vieux, là, entre guillemets, on va dire 10 ans et plus. Donc, il y avait un besoin de d'abord réseauter entre nous, mais aussi de pouvoir ventiler, connaître les trucs et astuces en fonction des embûches que nous, on retrouve. Donc, c'était d'abord la première mission, c'est-à-dire de défendre l'intérêt de nos membres, mais il y a également la deuxième mission, c'est-à-dire de promouvoir l'accessibilité à la justice. Donc vraiment, ces deux missions-là sont au cœur de nos activités. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est ici justement. Aujourd'hui, c'est bien. Quand vous me parlez réseauter entre les membres, 2023, c'est difficile d'être un avocat, je vous pose la question, ou vous estimez que c'est encore une profession qui est... valoriser ou qui devrait être plus valorisé encore? Est-ce que c'est une grande question? Est-ce que c'est difficile d'être avocat aujourd'hui? C'est pas facile, hein? C'est une profession qui fait beaucoup de discussions entre humains. Je veux dire, on gère des humains, hein? Donc nécessairement, c'est pas toujours facile. On voit, dépendamment des types de droits, moi, je suis en droit carcéral, droit criminel, donc c'est sûr que mon domaine de droit est très
fait la une souvent, là. Mais je dirais que c'est une profession qui a encore son utilité, ça c'est clair, puis qui évolue dans le temps. Il y a plusieurs sujets depuis la pandémie là, qui font plus la une. On parle plus de santé mentale dans la communauté juridique, ça c'est clair. On parle de bienveillance aussi là, envers les autres, entre collègues. Mais il y a une réalité aussi qui fait en sorte que les jeunes avocats vivent beaucoup de stress. Hein? L'école du barreau, c'est une période obligatoire, mais très stressante. Donc, c'est sûr qu'on a des enjeux qui sont très présents dans notre communauté, puis on les adresse, mais c'est pas des problèmes qui se résolvent en claquant des doigts. Donc, on travaille fort là-dessus, ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a encore une belle relève? Vous pensez qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui veulent embrasser la profession, qui veulent s'impliquer, ou comme dans tous les domaines aujourd'hui, il faut vraiment leur montrer le bon côté, créer des nouvelles choses pour les conserver? Il y a encore un grand taux d'inscription dans les universités. Puis à l'École du barreau, c'est la même chose. Il y a toujours un fameux taux de passage. Mais c'est vraiment la clé de cette question-là. C'est vraiment que la profession change. Il y a de plus en plus d'avocats, de jeunes avocats qui vont pratiquer dans des pratiques non conventionnelles qu'on appelle. Donc, par exemple, dans des entreprises plutôt que dans des grands cabinets. Il y a beaucoup d'émissions télévisées, là, comme je ne les nommerai pas, là, mais on les connaît tous. Vraiment, là, les avocats à la cour et tout, ben ça, c'est vraiment une très minime partie de la profession. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, par exemple, en droit de la construction. Il y a beaucoup d'avocats qui transigent dans ce milieu-là. Et la pratique, elle n'est pas du tout comme celle qu'on pourrait penser, par exemple, qu'on voit à la télévision. Donc, sans dire qu'il y a moins d'avocats, au contraire, là, il y en a encore beaucoup, puis il y a beaucoup de relèves, simplement qu'on les voit moins. C'est moins traditionnel comme pratique. Les gens vont aller plus outside of the box. Par exemple, moi, je pense entre autres, j'ai une collègue de l'université qui travaille à la NASA. Ce n'est pas du tout une pratique qu'on aurait pu imaginer, mais elle est avocate, puis elle fait du droit spatial. Donc, c'est vraiment diversifié. Puis, c'est ça. C'est bien. Maintenant, le 22, 23, 24, je ne veux juste pas me tromper, le 22, 23, la semaine prochaine, vous, que je m'en allais dire, c'est rendu une tradition, même vous le faites deux fois par année, les fameuses cliniques juridiques gratuites. Ça, ça fait partie de votre mission, mais c'est très valorisant. Là. C'est vraiment une belle mission, une belle chose que vous offrez à la population. Oui, donc 22-23 avril prochain, samedi dimanche, de 9h à 16h. C'est une clinique juridique téléphonique. Donc, évidemment, pas besoin de se déplacer à Montréal pour avoir des services juridiques gratuits. C'est pas du tout ça. Au contraire, le fait que ce soit téléphonique, on peut desservir l'ensemble du Québec. Et donc, c'est ça. C'est comme vous l'avez dit, c'est très valorisant. Au départ, nous, ça fait plus de 30 ans qu'on fait cette clinique-là. Puis au départ, on le faisait une fois par année. Et à un certain moment, on remarquait que vraiment les lignes ne désengorgeaient pas. Le niveau d'appel était assez, en fait, très élevé. Là, moi, je me rappelle l'édition avant celle qu'on faisait, qui a mené à deux éditions par année. Je pense qu'on avait eu quelque chose comme 3500 appels en le temps d'un week-end. Donc, ça démontre aussi un besoin criant en matière d'accès à la justice. Et donc, par la suite, on a fait deux éditions par année, une en octobre. Vous m'avez peut-être vu en octobre passé. Faire la tournée médiatique et une en avril, donc le week-end prochain, 22-23 avril. Et donc voilà, le concept est simple. Entre 9h et 16h, les gens peuvent appeler, c'est une ligne téléphonique gratuite, et ils peuvent obtenir des conseils juridiques dans n'importe quel type de domaine. Là. Donc, évidemment, il faut être patient. C'est ça que je veux dire. Tout est ouvert, dans le fond. Il suffit de se préparer. Je pense que le point qu'aujourd'hui, on veut parler beaucoup, il faut se préparer avant, quand on fait notre appel, pour avoir le plus d'informations possible pour aller chercher le meilleur conseil possible. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir, si votre question nécessite des documents, vous avez reçu une mise en demeure, un constat d'infraction, peu importe, vous avez certainement de la documentation pour soutenir votre question. Et ça va être important parce que, on parle d'environ 20 minutes d'appel là, généralement, mais on va prendre le temps qu'il faut pour répondre à la question. Mais
si on doit attendre après vous pour aller chercher les documents, puis ça, bien, c'est sûr que c'est l'appel d'une autre personne qu'on néglige nécessairement. Donc, d'arriver préparé, peut-être d'écrire les questions aussi, parce que des fois, il y a une période d'attente. Hein, je le mentionne toujours, on passe d'abord par le réceptionniste qui va qualifier le domaine de droit. Et ensuite, bien, vous allez être dirigé vers l'avocat. Puis moi, je le vois souvent entre le premier appel puis le deuxième, bien, la première personne à qui on parle et la deuxième personne à qui on parle, il peut y avoir plusieurs minutes d'attente. Et là, la personne est un petit peu déstabilisée quand on parle avec la personne. Donc, d'avoir des questions par écrit, c'est sûr que ça aide. Puis comme vous l'avez mentionné, n'importe quel type de droit, le mot-clé, c'est juridique. Si c'est une question juridique, normalement, on devrait pouvoir y répondre. Et si... bon, pour X, Y raison, on n'arrive pas à répondre à votre question, mais on va être capable de vous référer vers des organismes qui, eux, vont pouvoir vous aider. Si je pense, par exemple, dans votre région, il peut y avoir des centres d'accès, des centres de justice de proximité, par exemple, d'autres, des cliniques juridiques étudiantes, universitaires. Donc, on a vraiment une banque à laquelle on peut référer sans problème. Et autre volet, si la question... bon, on nécessite plus de détails ou plus de finesse, là. Mais il y a toujours la possibilité de prendre rendez-vous avec la personne à qui vous avez parlé. Ça, c'est une option aussi. Vous pouvez demander les coordonnées là, de l'avocat ou l'avocate à qui vous avez parlé. On passe aux avis de décès. Donc, au CHSLD Avelin d'Alcourt de Louisville, le 3 avril, à 83 ans. Est décédé M. Denis Massé, époux de Mme Lorraine Bellemare. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn Massé, Chantal Bergeron, Hugo Massé, Patricia Rinfret, ses petits-enfants, Anthony, Jérémy, Adrienne Dénommé, Félix-Antoine, Jade, Jonathan Saint-Pierre, Alexandra, Mathis, Daisy, ses arrière-petits-enfants, Éléonore et Édouard, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons pour la Société canadienne du cancer seront acceptés au salon. La famille vous accueillera dimanche 23 avril dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame. À Berthierville suivra la liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Massé sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera ensoleillé avec une température de 22, un temps ressenti de 24. Jeudi soir, ce sera généralement dégagé avec une température de 16, un temps ressenti de 15. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux avec une température de 6, un temps ressenti de 4. Vendredi matin, ce sera un ciel variable avec une température de 7, un temps ressenti de 5. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux avec une température de 15, un temps ressenti de 14. Vendredi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 10, un temps ressenti de 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information du 13 avril sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. Merci à toute l'équipe technique qui rend possible ce bulletin. Et on se revoit demain pour d'autres informations sur notre région. À demain!